Bonjour à tous, regardez déjà un petit peu le profil. Ok, 41e monde, il a joué 2 heures hein, pour le faire simplement. C'est le meilleur, ou probablement, très très probablement, jusqu'à ce que quelqu'un vienne le prendre et dise le contraire, c'est le meilleur joueur 2.9 français. Stileux a fini, je vous montre rapidement son profil. Juste regardez ça, il a fini 53e la saison passée. Énorme performance, honnêtement, 2.9, finir le ladder 53e, très 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 peu de personnes font des perfs. Le meilleur qu'il a fait la saison passée, c'est du 7e en 2.9, mais c'est très très rare parce que c'est un archétype super dur en top ladder. Tu peux te prendre des contres de malade et en plus c'est un archétype qui est quand même très dur à jouer quand même à très haut niveau. Bienvenue à toi, Style. Salut les gars, ça va? Et ça va de Naxi ou pas? Bah trop bien, mais en plus 2.9 c'est mon archétype préféré, alors je suis forcément content. Ah bah franchement l'Arkix vraiment, en fait l'Arkix ça a vraiment une image assez sale si on peut le dire, enfin on dit que c'est no skill, patati patata. Mais c'est vrai que en fait si tu mets un Arkix contre un GR ou un géant ou un golem, là je pense que les mecs, pour gagner bon courage, enfin l'Arkix vraiment... Et honnêtement, même un gros joueur de PK Bridge Spam, il faut quand même déjà maîtriser l'Arkix pour être tranquille dessus. Hein. Ah oui. Bah après, c'est vrai que chacun son point de vue, hein, mais l'Arkix, franchement, ça reste quand même un deck assez compliqué à jouer. Enfin, je trouve, c'est pas le plus simple, quoi, par rapport à du golem. Là, surtout dans cette méta où il y a plein de golems sorcières, là, je pense que l'Arkix, il va prendre assez cher, je pense. Bah surtout que la nouvelle sorcière qui rajoute 2 battes, c'est quand même très embêtant en Arkix. Hein. Ah ouais, mais vraiment, ça va être ouf. Mais par contre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de decks vraiment très agressifs qui sont sortis, notamment les decks sapeurs, tout ça. Je pense que ça peut être quelque chose de sympa, ouais. Par contre, tu verras, je sais pas si t'as eu l'occasion un peu d'en voir, est-ce que t'as eu l'occasion de voir des golems d'élixir contre toi? Ah, pas du tout. Vraiment, aucun pour le moment. Ok. Je crois que... Ouais, aucun. Parce que là, les stats sur ces match-up-là en super défi, c'est... Comment te dire? 95% de win rate pour les decks golems d'élixir? Voilà. Ouf, ah mais le golem d'élixir, en fait, j'ai vu des vidéos dessus et c'est vraiment un truc de malade parce que le truc il coûte 3 d'élixir et en fait c'est surtout les petits, ouais. Tu vois, les petites boules là. Enfin, ouais. J'ai vu les 4 petites boules là, elles ont mis genre 1500 dommages parce qu'il y avait, je sais pas, un chevalier qui tankait. Enfin, j'étais choqué vraiment. Ouais, c'est ouf. C'est plus ou moins comme si t'avais un golem de glace qui se transforme en, je sais pas, deux espèces de golem de glace de nouveau, et après ça fait des cochons royaux. Exactement, enfin, c'est vraiment fumeux, je trouve. En fait, je pense qu'il faut bien le maîtriser, parce que c'est vrai que si un mec le met n'importe comment, il donne de l'élixir gratos, mais si le truc il est bien maîtrisé, moi je pense que ça fait des ravages. Hein, donc, Ouais, clairement. Bon, de toute façon, pour l'instant, on est en ladder, donc il le faut niveau 13. Il y en a quelques-uns qui l'ont déjà niveau 13, mais il y a des chances qu'on tombe pas dessus, parce qu'on va faire des parties de live. Hein. Je sais pas si vous êtes prêts, Ah oui, mais ouais. on va faire du live, on fait deux replays, et après on balance du live. Ok, ça marche, ça marche. Alors, juste, écoute, je te propose, on part sur le premier replay, et je te pose une question Ok. que j'ai. Hein. Alors, du coup, moi, il y a quelque chose qui me questionne, c'est que tu joues chevalier. Yes, en fait, chevalier, c'est une question où on me pose... Enfin, on me pose cette question très souvent, pourquoi chevalier et pas le golem de glace? Alors, en fait, c'est un jeu totalement... Enfin, c'est, je dirais pas totalement différent, mais en fait, le chevalier, je trouve qu'il est super pratique sur tout ce qui est géant, GR. En fait, je trouve que le chevalier, justement, il permet d'équilibrer, en fait, contre tout ce qui est hard counter. Donc, tout ce qui est géant, GR, golem. En fait, ça me permet, justement, de les tuer. Là, par exemple, regarde, tu vois le petit barbare, là? Là, je mets mon chevalier. En même temps, il va tuer le barbare, et en même temps, il va m'aider à tuer le golem, et en même temps, il va tanker le bébé dragon, sachant que le chevalier, il a aussi 1000 de PV de plus qu'un golem de glace, et je trouve que vraiment, il est super pratique. Voilà, on peut le voir tout de suite, hein, t'as vu tous les dommages qu'il a mis sur clairement. Le golem, là, je pense qu'avec un chevalier de... Enfin, avec le golem de glace, j'aurais jamais pu faire ça, quoi. Donc vraiment, en fait, c'est un style, je pense. Enfin, je pense que la plupart préféreront le golem de glace, mais... Après, le chevalier, enfin, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, voilà. Ouais, je comprends. Effectivement, pour ceux qui mettent ça un peu moins, généralement, c'est la version avec le golem de glace pour deux choses. Un, le golem de glace coûte un petit peu moins cher, donc ça permet de cycler plus vite. Ouais. Et c'est quand même un deck cycle à la base. Et la deuxième raison, c'est que le golem de glace, tu peux bien plus l'utiliser pour détourner les troupes. Et en même temps, exactement. Ça gère le swarm, les squelettes, les bats, les chauves-souris, genre de trucs... Voilà, exactement. En fait, le golem de glace, il sert surtout à kite et surtout l'explosion qui ralentit, c'est génial. Mais après, le golem de glace, je trouve justement, il est... En fait, quand tu tombes contre du géant mineur, bah limite la partie est perdue, quoi. Enfin, c'est trop dur de battre un géant mineur avec golem de glace parce que le gars, il va te mettre que des mineurs zap, tu pourras même pas défendre. Enfin,
Je trouve que c'est vraiment. En fait, si tu joues avec le golem de glace, je pense que ça équilibre. Enfin, comment le dire, c'est que en fait, tu auras moins de hard counter et donc tu auras moins de chances de perdre, enfin, directement. Alors que en fait, avec le golem de glace, je sais pas si je suis très clair, mais avec le golem de glace, en fait, tu peux battre des match-ups plus facilement, certains match-ups plus facilement, mais contre certains, bah, tu perds directement. C'est impossible de gagner. Alors qu'avec le chevalier, en fait, tu peux justement équilibrer la balance. Et justement de pouvoir gagner contre tout, absolument tout. Donc Ouf. limite, il n'y a pas de counter contre l'archique chevalier, quoi. C'est Et un là, peu ça. il a raté son golem. Ah ouais, là il a raté son golem, et ça, je pense que c'est ça qui lui a coûté la game, parce que Waouh. sinon c'est impossible à battre. Non mais vraiment, GR foudre, c'est normalement, c'est Golem, tu veux le, dire. c'est le, oui, golem, pardon, golem foudre, c'est le hard counter pour l'archique, ce contre l'archique. Normalement c'est impossible de gagner Quand il ça. joue Sorcière de la Nuit aussi, hein, qui est très Ah embêtante. Hein. oui, une sorcière de la nuit, et surtout il a fût, il a foudre, Ouais, ouais. il a tout pour me contrer, quoi. C'est normalement, c'est un match-up impossible à gagner, mais justement c'est ça le truc. Après, le but c'est de faire craquer l'adversaire, mais parfois là je l'ai pas fait, mais souvent le mec, quand il met golem middle, je bûche le golem et donc ça le décale et ça connecte sur la tour, et là je l'ai pas fait parce que j'avais pas trop besoin, comme il avait fail. C'est Mais ça, si et vous voulez puis vraiment connecter et que vous avez fait pas mal de dégâts, vous avez deux options. Soit vous jouez avec la bûche, soit vous utilisez une Tesla excentrée sur le golem, et du coup vous le décalez et l'Arkix va pouvoir reprendre l'aggro sur la tour. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, là, je pense que c'est fini pour lui, hein. Là, il force beaucoup, mais Ouais, là tu vas aucune spell chance. cycle ou pas? Bah là, en fait, il y a deux solutions. Vu que je viens d'utiliser ma boule de feu, là, j'hésite, en fait. Tu vois, là, j'hésite pas mal. En fait, je vais l'agresser, je pense, avec un chevalier, c'est ça. Et là, en fait, il pourra pas pousser son push. Et donc, là, là, je cycle, et là, il est obligé de défendre en même temps. Il pourra pas foudre ma Tesla, donc je la joue tranquillement. Et je la gagne comme ça. Énorme, c'est très très bien joué ce coup de chevalier. C'est vrai que ça, pareil, c'est un play, tu peux pas le faire avec le golem de glace, hein, parce qu'il fait Exactement, ouais, pas. avec le golem de glace, il est pas assez rapide et il se fera tuer sans doute avant d'atteindre la tour. Donc Bah en là, fait, s'il est c'est. laissé seul sur la tour, il met un coup de base et son explosion, mais c'est anecdotique, ça fait un tout petit peu plus de dégâts qu'un squelette. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Je crois que ça tape et ça explose, mais ça fait pas les 200 dommages, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, ça fait les. Enfin, ça met comme deux coups, quoi, mais c'est fait très peu, quoi. Ah oui, Comparé à. ok. C'est l'équivalent d'un coup de base de chevalier, quoi. En gros. Ah ok. Donc voilà, donc Donc après. là, au final, ouais, tu l'as joué. Ce match-là, là, si on devait résumer rapidement, comment tu dis que tu dois jouer Ok. contre un golem foudre? Ok, alors donc souvent le golem il jouera jamais en premier, ça c'est obligé, enfin c'est quasiment sûr, sauf peut-être il met des petits fûts comme ça d'entrée, enfin il veut voir ce que tu joues. En fait, moi je suis assez agressif, enfin pas toujours, mais ça dépend de mon humeur, parce que en fait, si je suis vraiment. Je me dis que vas-y, je vais essayer de l'éclater vite fait, bah, je mets l'Arkix direct d'entrée, et c'est ce que j'ai fait là dans cette game. Et lui, il a mis son golem direct, et là je me suis dit, oula, du golem ça va être très compliqué, on va voir si c'est un bon joueur ou pas. Et donc j'ai essayé de tuer son golem avec la Tesla et tout, patati, avec l'archer, Tesla, chevalier, et de recycler justement sur un autre Arkix avant qu'il ait son golem. Mais là le truc c'est qu'on avait vu qu'il avait le fût et la foudre, donc c'était très très compliqué, Ouais, parce franchement. que ça lui Quand... coûte pas. Enfin, Ouais. il a pas besoin du golem pour gérer ton archi, ça. Bah oui, exactement, parce que là je me suis dit, oula, bah ça, cette game là c'est soit il rate, enfin soit il fait un misplay et je prends la game, soit je joue l'égalité, impossible de gagner, quoi. Et le truc c'est justement de, comment dire, d'attaquer à fond l'adversaire et le forcer à faire une erreur. En fait, quand tu joues golem, souvent le placement du golem, enfin juste après que t'aies posé l'Arkix, est très important. Enfin souvent les mecs, ils sont en PLS, donc ils ratent souvent leur golem. Enfin, souvent. Enfin, ça dépend du niveau du joueur. Mais là, dans ce cas-là, bah, il a raté parce que je lui mettais beaucoup de pression. Et justement, en fait, quand je mets l'Arkix, il avait pile assez pour mettre le golem. Et justement, c'est ce qui l'a fait rater son golem parce qu'il était en panique. Et justement, mais après, c'est un play un petit peu au-dessus, quoi. Enfin, c'est vraiment savoir compter l'élixir de l'adversaire aussi. Parce que si tu le mets et que tu sais qu'il est full élixir, bah, ça sert à rien parce qu'il aura le temps de placer son golem et tout. Et en fait, le but, justement, c'est de mettre l'adversaire sous pression, mais en même temps de pouvoir défendre à côté. Après, je sais pas si tu as fait attention à tous les détails, mais en fait, à un moment, quand j'ai mis l'Arkix, il avait mis le golem à droite, il avait bien posé. Ouais. Sauf que en même temps, je défendais son golem, mais en même temps, je défendais à gauche. Et donc ça, en fait, ça le faisait assez chier, donc il pouvait pas m'attaquer à fond à droite.
Donc ça me permettait justement de tuer son golem facilement et de reposer un Arc-X directement à gauche après. Après, c'est des petits détails, mais c'est avec la pratique, ça vient, en fait, on sent quand est-ce qu'il faut poser l'Arc-X. Ouais, je vois. D'ailleurs, contre Golem, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends le positionnement intérieur de l'Arc-X. Enfin, je sais pas ce que je veux dire. En gros, tu peux le poser à 3, sur 3 cases sur la lane, soit complètement excentré, soit au milieu de ta lane, soit un petit peu vers l'intérieur. Comme ça, quand tu mets une Tesla milieu, après, le Golem, il retourne sur l'Arc-X et tu le trimbales, quoi. Ah ouais, je vois, je vois. En gros, ce que tu fais, c'est que tu mets le golem, enfin, tu mets l'Arc-X du côté où le golem va bouger. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Enfin, en gros, si par exemple, tu joues Arc-X sur la ligne de gauche, en gros, tu mets ton Arc-X sur le côté droit de la ligne, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Mais après, c'est un play. Enfin, ça dépend. Parce que si le mec il revient, je sais pas si c'est un bon play. Parce que si tu fais ça, tu t'es sûr de mettre aucun dommage. Alors que si tu laisses ton Arc-X en mode aggro, il y a une chance que ça connecte et que tu défendes le côté droit en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois ce que je veux dire. Ouais, et donc je sais pas. Mais je pense que le mieux à faire, c'est de laisser l'Arc-X taper à gauche. Et de toute façon, ça aide à tuer le golem. Et au pire des cas, je pense que le mec, il va soit mettre une méga gargouille, soit un bébé dragon à gauche. Et donc, il pourra pas supporter à fond, enfin soutenir à fond son push à droite. Donc, tu pourras tuer son golem facilement à droite et remettre un Arc-X directement à gauche. Et il va sûrement foudre des trucs comme ça, mais tu pourras essayer de recycler un Arc-X. En fait, c'est un combat, c'est un bras de fer contre le golem. C'est pas facile du tout, mais c'est vraiment, c'est de loin le plus difficile, hein. Donc, les gars, ceux qui jouent Arc-X, vous inquiétez pas. Avec le temps, ça viendra. Donc, golem, c'est vraiment le plus dur match-up possible. Vous en faites pas si vous perdez au début, c'est complètement normal. Même moi, je perds souvent contre les golems, donc il n'y a pas de souci à se faire. En tout cas, les golems foudre. Parce que, par Ouais, exemple, le oui, les golem golems double foudre. dragon, c'est pas un match-up qui est... Ah oui, ouais, golem double dragon, ça va. Parce qu'on peut mettre des Arc-X défensifs, et ensuite on tue son golem, on remet un Arc-X Tesla, et là on lui prend la tour. Ouais, c'est faisable ça, C'est ça. En tout cas, pour moi, c'est plutôt du 50-50. Enfin, c'est jouable, en tout cas, des deux côtés. Alors que, effectivement, des ouais, match-up c'est ça. foudre... Comme tu l'as dit, au Ah pire, tu oui. réussis contre le golem, ben non, il a foudre. Ouais, exactement. Du coup, on est parti sur le deuxième contre un Arc-X également. Un petit match-up miroir. Yes. Vas-y. Ok, miroir, ça marche. Ok. 3, 2, 1, go. Let's go. Alors, dis-nous tout, Alors, quels oui. sont les secrets du match-up en 2.9 Ok. miroir? Ok, donc là, faut vraiment. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai pas l'Arc-X en main, je cycle tout ce qui est squelette, esprit de glace. Et là, je savais pas encore qui jouait l'Arc-X, en fait. Là, je recyclais l'esprit de glace, en fait. Et donc là, je me dis, là, je sens qu'il joue Arc-X, je vais le poser. En fait, parce que là, en fait, l'Arc-X contre Arc-X, c'est vraiment le plus agressif qui va gagner. Parce que, justement, là, il va défendre et tout. Mais en fait, en miroir, vraiment, le but, c'est de le outplay. En gros, il faut l'attaquer. Parce que si t'es vraiment sous pression en défense, tu ne pourras jamais gagner. Là, ce que je fais, en fait, ce que je cherche à faire, c'est justement de l'attaquer, 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 mettre la pression. Et justement, comme ça, il sera en PLS et il va devoir utiliser tout son élixir à défendre et je pourrais rattaquer directement derrière. Donc, comme tu peux le voir là, j'ai 2-3 élixirs d'avance et donc je pourrais bientôt réattaquer et donc c'est ce que je vais faire. Mais en fait, j'ai peur qu'il pré-shot Tesla parce qu'à ce niveau, c'est très courant que les mecs Bien pré-shot sûr. Tesla. Donc, en fait, là, j'attends de voir s'il pré-shot ou pas. Je mets des petits émotes, tu vois, c'est quand même stratégique les émotes, hein. Ça permet de distraire un peu. Et là, ok, là, je crois que je mets chevalier. Ouais, parce que j'avais peur qu'il me pré-shot Tesla. Et donc là. Là, j'hésite pas à mettre archer parce que je m'en fiche qu'il bûche. Parce que s'il bûche, il aura pas assez pour la Tesla. Et là, je sais qu'il va à Tesla, mais j'ai pas assez d'élixir. Ah ouais, tu l'as repris Ouais, de ouais. justesse. Ok, mais Ouais. tu reconnectes un tout Ouais, petit peu. un petit peu. Mais je suis toujours un petit peu devant, je crois. Donc, il est pas mauvais, le mec. Parce que la saison dernière, je crois qu'il avait fait aussi un top 100 monde, lui. Ah Je oui, crois. d'accord, Ouais, il est pas mauvais, lui, ouais. Et par contre, lui, je joue avec les esprits de feu. Je suis moins fan parce que je trouve que en fait, l'esprit de glace, ça sert beaucoup contre les zappies, notamment parce que ça temporise 5 secondes. En fait, alors donc là, tu vois, il a pré-shot des esprits de feu. Et je pense que c'est là, ça lui a peut-être Ah, coûté c'est la game dur. Parce que ici. comme tu dis, Ouais, les erreurs dans ce match-up, elles sont vraiment pas ah oui, ça impardonnables, coûte mais 7. pas loin, ou potentiellement. Ouais. Et là, il joue Tesla, mais. Ah, je sais pas. Ah, ok, super. Enfin, j'ai réussi à tanker. Et là, il prend cher. Et en plus, je suis en avantage. Et donc là, il est pas très bien, le petit Ah ouais, c'est clair, là japonais, tu je prends un grand crois. avantage. Et comme tu l'as dit, hein, tu joues très agressif. Ouais, agressif. Faut vraiment l'attaquer. Faut pas le laisser souffler. Parce que si tu le laisses souffler, enfin, ça peut être très long et ça peut se retourner contre toi, en fait. Donc, faut vraiment l'attaquer. Comme ça, t'es sûr que
Il y a rien, enfin, tout se passe bien et vraiment attaquer et défendre en même temps. Enfin, là, tu vois tout ce que je... En fait, là aussi, point très important, on peut mettre en pause, tu veux. Attends, 1, 2, 3, pause. 3, ok. Ouais. Donc, en fait, là, souvent, alors, donc en fait, c'est ce qui se passe souvent hein, contre les matchs miroirs, enfin, les matchs miroirs d'Arkix. En fait, quand il y a un attaquant en Arkix, enfin, un attaquant, souvent les mecs, ils posent l'Arkix en défense. En fait, là, le but, justement, c'est de gagner la bataille. Mais pas en simplement boule de feu l'Arkix. Parce que si tu boule de feu l'Arkix, t'es sûr de perdre à 100% le combat du pont contre l'Arkix. Parce que si tu boule de feu l'Arkix, il lui reste environ encore 70% de ses points de vie. Alors que si tu mets des chevaliers, des archers au milieu pour tanker l'Arkix, et lui, à un moment, il aura plus rien. Parce que vu que t'as mis l'Arkix au pont, le temps que lui, il mette ses troupes et l'Arkix, il est forcément en désavantage d'élixir. Donc là, le but, c'est justement de. Justement de gagner le bras de fer et d'attendre qu'il craque, qu'il ait plus d'élixir comme là. Là, il a plus d'élixir et mon Arkix a connecté sur son Arkix et donc c'est sûr que mon Arkix va le tuer. Et donc là, il va devoir mettre des trucs pour défendre. Et en fait, justement, le combat, là, c'est de tanker au maximum au pont et de protéger l'Arkix et de pas boule de feu l'Arkix ou parfois les mecs, ils mettent des archers collés à l'Arkix pour que tu le boules de feu. Mais faut pas faire ça. Faut surtout tanker, tout mettre au milieu. Et aussi, il faut mettre au milieu, mais pour que ça revienne vers l'Arkix. C'est-à-dire ne pas mettre le chevalier, par exemple, à droite pour qu'il parte à droite. Il faut le mettre à gauche, comme ça, il revient pour tanker, justement, en cas de Tesla ou quoi que ce soit. Et le but, justement, c'est de gagner le combat au pont. C'est très important contre un Night Mirror. Donc voilà. Et du coup, la Tesla, tu l'utilises comment quand tu... Il y a deux positions du coup. Soit tu es en défense, parce que alors, il y a des fois tu es obligé de l'être, soit tu es en attaque. Si tu es en attaque, à quel moment tu vas la poser avec ton Alors, Arkix? en fait, la Tesla, en fait, c'est une bonne question parce que, en fait, la Tesla en attaque, je la mets souvent quand je me sens, enfin, quand je suis dans une bonne position. C'est-à-dire quand je suis avec beaucoup d'élixir et que je dois mettre des chevaliers archers, là, je sais qu'il aura forcément pas assez pour mettre un Arkix défensif. Et donc là, à ce moment-là, faut mettre la Tesla. Parce que, par contre, faut jamais mettre la Tesla si on sent qu'il a beaucoup d'élixir. Parce que, par exemple, si je mets la Tesla, j'aurais plus. Donc, je mets Arkix et Tesla en même temps. J'aurais zéro d'élixir. Et à ce moment-là, lui, il met Chevalier et Arkix en défense. Et bien là, j'aurais une Tesla de. Enfin, j'aurais jeté une Tesla à la poubelle parce que lui, il pourra connecter son Arkix sur mon Arkix vu que sa Tesla ne sera pas activée. Enfin, ma Tesla ne sera pas activée. Et donc, j'aurais pas assez justement pour protéger l'Arkix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, si, je vois complètement ce Donc. que tu veux dire. Et justement, c'est avec l'expérience que ça vient, et justement avec tous les joueurs Arkix, je pense que en jouant beaucoup, ils ressentiront en fait justement le moment où il faut poser la Tesla. C'est vraiment le moment où on sent qu'il est un peu en PLS, qu'il est un peu en PLS, et que on sent qu'il commence à poser des chevaliers, des archers, qu'il veut commencer à poser une Tesla, parce qu'il n'aura jamais assez pour poser l'Arkix. Et donc là, à ce moment-là, on peut poser une Tesla. Donc D'accord, voilà. ok. Oui, je vois. Et du coup, dernière question avant qu'on reprenne, la boule de feu, à Yes. quel moment tu l'utilises? La boule de feu. Alors, franchement, en match-up miroir contre l'Arkix, c'est très très rare d'utiliser la boule de feu. Sauf si, en fait, sauf si le mec il décide de poser un Arkix défensif comme ça, sans que j'ai rien joué, enfin ou que, enfin, si décide en fait de poser un Arkix en défense et que j'ai rien sur mon terrain, là je décide de boule de feu l'Arkix plus une de ses tours. Et bûche l'Arkix, c'est important parce que sinon il va pouvoir stacker ses Arkix et là ça va devenir assez compliqué. Ça sert à rien de poser des troupes vu que son Arkix est vivant. Donc faut surtout boule de feu bûche si Arkix défensif. Ok. Et tu vas voir, en fait, à un moment de la game, je vais utiliser une boule de feu, tu verras, mais pas contre un Arkix défensif. Ok, bah, j'ai hâte de voir ça. Et Ok. évidemment, le dernier cas, mais c'est le plus évident, j'imagine, pour Spell Cycle, si t'es à portée de finish. Ah oui, bien sûr. Ah oui, si par exemple, en fait, je connais les dommages par cœur. Donc 717, c'est deux boules de feu et deux bûches, il me semble. Et donc, si on a 717 PV, on peut gagner contre l'Arkix. Si on a. Enfin, ça dépend après de notre nombre d'élixirs. Hein. Après, c'est vraiment avec la pratique que ça vient. Enfin, de savoir quand est-ce qu'il faut boule de feu, enfin, cycle et tout, C'est 17 ça vient avec la d'élixir pour pratique. faire ça. Sur ta version à Ah toi et oui, 16 avec Golden ouais. Bagless. Ouais, voilà, en fait, ça dépend justement, comme je le disais, parce que lui, je crois, ah bah lui, je crois que je vais justement le cycle à la fin, donc ouais, lui, enfin, on aura un exemple concret à la fin. Ok, super. T'es à combien là sur Ouais. le replay? Là, je suis, il me semble que je suis top 50 monde, Non, enfin, un non, truc mais je comme veux ça, dire, là. pardon, combien de temps, savoir si on reprend au même moment Ah, ou pas. là, je suis à dans fin, dans 0,22. T'es à 0,22? Ouais, et toi?
Ah bah du coup, attends, je te rejoins et après on refait le décompte, ça te va? Ok. Ok, 3, 2, 1, go. Ok. Alors oui, donc là, mon Arc-X a tué son Arc-X. Et là, en fait, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai envie qu'il défende, tu vois, parce que tu as pour le rattaquer à droite. Tu vois, c'est intéressant comme play, ça. Ah, Et et tu gagnes le donc combat avec là. ta Tesla? Ouh là là, ça change beaucoup de choses, hein. Ouais. Et là, bah là, je crois que c'est bon, c'est fini pour lui. T'as vu la bûche là? La bûche là, j'ai directement su que j'avais gagné parce que j'ai un Arc-X, j'ai tellement d'élixirs d'avantage et ça connecte encore. Et je savais que là que j'avais gagné, quoi. C'était impossible de perdre. Ok, et là tu fais quoi? Tu stick chevalier, tu remets Là, Arc-X? je Ouais. remets Arc-X et là, je le vois, il est en PLS. Là, par contre, j'ai un peu raté ma boule de feu parce que je voulais boule de feu à le Ah ouais, bah chevalier, ouais, mais il bien a besoin. sûr. Mais ouais. Mais là, par contre, il a bien joué, il a mis une Tesla et il a chopé. Et donc là, en fait, il a réussi à remonter parce que là, il a repris l'avantage. Et donc, moi, je me retrouve dans une situation, bon, pas radicale. Enfin, ça passe, mais c'est un peu chiant, quoi. Parce que j'avais un énorme avantage. Ouais, c'est clair. Et là, Ah, du là, coup, il tu a. repars quand même offensivement. Oui, direct. Faut vraiment, l'Arc-X, c'est. Là, la boule de feu, tu la vois ou pas? Là, la Ouais. boule de feu, là. Et là, c'est pour connecter sur son Arc-X. Ça me permet justement de gagner le combat au pont. Et comme ça, bah, ça me permet de tuer son Arc-X et de recycle sur un autre Arc-X. Ouais, Et je là, j'ai pas vois. compris son chevalier, mais bon. Et Ouais, là, bah par après, contre, là, je il était commence déjà pas à. bien, Ouais. là. Là, Bah, tu là, je spell commence cycle. à. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, là, je suis pas trop chaud encore. Là, faut que je défende encore un petit coup parce que ça peut aller très vite, quand même, avec. Et donc voilà, là, c'était fini pour lui, quoi. Là, je cycle, cycle, cycle. C'est fini. Énorme. Waouh. Donc ouais, effectivement, le Voilà. play de Stylo vous a parlé. Donc ça, c'est un play relativement assez avancé, en tout cas que je vous recommande pas forcément de faire dès le début. C'est que si vous utilisez une boule de feu sur un tank, par exemple un golem de glace, un chevalier ou un truc sur lequel l'Arc-X est connecté, ça vous permet de le tuer rapidement et de reprendre un focus. Ça peut être sur la tour, ça peut être sur un Arc-X en face. Donc Exactement. ça permet d'aller plus vite et de prendre l'adversaire de court. Donc c'est pas forcément un play à faire systématiquement, surtout pas en x1 parce que ça peut être vite être galère, mais ça peut faire Ouais, la c'est ça, différence c'est. et Voilà, en fait, ça, c'est vraiment, ça vient avec le temps, vraiment, faut pas se décourager, c'est vraiment avec le temps, on saura faire ça, et puis vous allez vraiment vous plaire en faisant ces petits coups-là, parce que c'est vraiment super plaisant quand même à faire ce genre de truc, c'est plutôt cool. carrément. Bah, de toute façon, je trouve que c'est un archétype qui est extrêmement satisfaisant à jouer, hein. Ouais, moi, j'aime bien l'Arc-X parce qu'on fait beaucoup de décisions dans une game, et j'aime bien aussi le style, enfin, j'aime bien tout ce qui est deck rapide, tout ce qui est cochon 2.6, lockbait. Ouais. Ouais, j'aime bien tous ces petits decks là, c'est sympathique. Pour toi, en match miroir, la version chevalier ou golem de glace est la plus forte? Chevalier, j'imagine. Alors ça, ouais, chevalier clairement, parce que pour un DXR en plus, on tank 1000 PV de plus, et surtout, en fait, quand les mecs t'attaquent. Ah oui, aussi un point très important, là, ils jouaient pas golem de glace, mais s'ils jouaient golem de glace, en fait, et s'ils vous attaquent avec un Arc-X au pont. Il suffit juste que vous mettiez un chevalier avec une Tesla, ça suffit pour tuer son Arc-X. Parce qu'il aura beau mettre golem de glace, un esprit de glace ou un squelette, enfin, ou des squelettes, juste chevalier Tesla, ça suffit à tuer un push X-Bow 2.9 golem de glace. Ok, énorme, très Ouais, très bon à savoir. oui, c'est bon à savoir ça, mais en fait les joueurs ils savent pas trop ça. Mais c'est vraiment c'est ce genre de détails en fait qui te font gagner beaucoup de games. Donc c'est toujours bon à savoir. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, et du coup, Ouais. tu nous as proposé du coup de partir un petit peu en live game, donc t'es à l'heure actuelle top 50 ladder. Yes. C'est Ouais, ça va être le c'est feu. ça.